Ne le laissez pas s'enfuir! Ça va les gamers, moi ça va bien, et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de mon let's play sur GoldenEye sur Wii. Donc évidemment cet épisode consiste donc à poursuivre Oumoff qui a kidnappé Natalia, la programmatrice il me semble. Et donc évidemment c'est le même principe que la précédente mission, on devait le poursuivre en char, et la mission encore d'avant où on devait le poursuivre je sais pas où, là on avait été tenu en étage au départ ou je sais pas quoi. De toute façon normalement si vous avez vu les épisodes d'avant vous devez comprendre. Et donc là on va devoir le continuer à le recharger dans la gare, hein. Et en fait Oumoff et Natalia se trouvent dans un train. Et donc le but ça va être d'avancer comme des gogolitos dans la gare. Excusez-moi je me suis trompé de mot, là par contre je galère un petit peu à savoir quoi dire. En fait, je galère un petit peu à me concentrer sur ce que je dis et sur ce que je joue en fait. C'est ça le problème. Donc attendez, je les tue et après je parle. Hein. C'est bon, il n'y a plus personne. Donc évidemment, j'espère que ma nouvelle intro vous a plu. Bon, évidemment, hein, j'ai lu les commentaires. Hein. Son défaut, c'est quand même que c'est un petit peu long. Hein, c'est ce qu'on m'a dit en commentaire. Hein. Bon. J'avoue quand même que ça fait partie d'un de mes principaux défauts. Attendez, là, il y a des gens. Ça fait partie quand même d'un de mes principaux défauts de toujours faire des intros trop longues. Ah, là j'ai bien pété un truc inflammable, hein, un truc classique dans ce jeu là. Également je crois dans Casino Royale, le film, hein, et non pas le jeu parce qu'il n'y a pas de jeu de Casino Royale. Hein. Casino Royale, l'avant-avant-dernier James Bond qu'il y a eu, car l'avant-dernier c'était Quantum of Solace. Et justement dans Casino Royale, comme dans ce GoldenEye, il s'amuse à péter des trucs inflammables pour tuer les gens, enfin... Au début du jeu, non, il fait ça bref. Toi tu vas mourir. Donc évidemment, lors de ma prochaine intro, j'essaierai de faire des efforts, mettant moins de petites séquences de mes vidéos. Que c'est pour être quand même un de mes plus grands défauts. Par contre, excusez-moi si je suis en train de me faire dégommer, car j'ai du mal à parler en même temps que je joue. Hein, car ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo commentée. Toi, va crever Ninja. Heureusement quand même qu'il y a le système de la visée auto, hein, sinon ce sera un petit peu galère. Mais je crois pas qu'il y ait la visée auto dans Call of Duty. Après c'est pas pareil, Call of Duty, GoldenEye, c'est pas pareil. Ah ça c'est bien ça comme arme. J'avoue je préfère quand même les mitraillettes. Bon évidemment avec les mitraillettes c'est un petit peu galère de faire des headshots, enfin si quoi que peut-être qu'on peut, mais bon les mitraillettes c'est pas trop fait pour faire des headshots. Hein. C'est plus les snipers ou fusil à pompe, carabine comme dans Red Dead Redemption. Mais moi n'empêche dans les jeux, dans les FPS tels que GoldenEye ou Call of Duty, enfin je n'ai pas Call of, mais... Mais dans les jeux comme GoldenEye, quoi, dans les FPS, j'ai un petit peu de mal quand même à faire des headshots. C'est pas trop mon truc. J'arrive mieux dans Red Dead Redemption, même si je le fais pas très souvent parce que je suis pas trop un expert quand même en headshots. Mais j'essaie quand même, hein, la plupart du temps, dans Red Dead Redemption. Hein. Mais bon, chacun des défauts, et ma bon défaut, c'est que je sais pas faire de headshots. C'est tellement triste. Bon, non, déconne. Enfin, si, mais souvent, j'ai peur en fait de rater et puis de crever, quoi. Il est où là le mec? Ah, je suis con. J'utilise des trucs inflammables pour tous ces buter, car oui, les personnages qu'on tue sont les personnages les plus tarés du jeu qui s'amusent à. Car en fait, ce sont des suicidaires, hein, ils s'amusent à se mettre pile à côté des trucs inflammables pour crever. Attendez là. Non. Heureusement quand même que sur le radar en bas à droite de l'écran, on voit quand même les ennemis, hein, symbolisés par des points rouges. Ils sont derrière là, je vois. Je vois sa petite tête, mec ninja. Donc là par contre là il va avoir un lance-roquette. Voilà, et le but justement c'est de me tirer dessus. Voilà. Parce qu'en fait la première fois que j'ai fait cette mission, à chaque fois je crevais à cause de ces lance-roquettes, car j'avançais tout droit comme un débile au lieu de les esquiver. Mais quand même heureusement que les roquettes. Les machins là qui lancent, les roquettes, je sais plus, sont lentes, parce que sinon on n'aurait quand même pas le temps de les esquiver. Si c'était aussi rapide que des balles comme dans le monde réel, enfin non, les roquettes,
Les roquettes, c'est un peu comme des bombes en fait, hein, en quelque sorte. On peut dire ça. Et ben, c'est dans le monde réel, c'est assez rapide, mais peut-être pas aussi rapide que les balles. Et ben, dans ce jeu-là, heureusement que c'était assez lent comparé au monde réel, parce que sinon, ça aurait été un peu galère. Hein. Et surtout que, contrairement au monde réel, les explosions de ces roquettes n'étaient pas énormes. Eh, c'est pas comme des bombes non plus. Alors là, j'essaie de péter les murs. Hein. Des abris qui se pètent, super invention. Pourquoi il y a le mec qui a parlé de plan? Va crever! Va crever! Ninja! Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, sinon... Attendez, là, d'abord je me planque. Je vais vous parler après avoir tué tous ces sales êtres humains mitrailleurs, là. Il est où l'autre? Je crois qu'il y a un autre ennemi par là. Non, puisqu'on va passer le jambon. Je suis en bug. Attendez. Donc évidemment, puisque c'est les vacances, et ben normalement je sortirai pas énormément de vidéos car je pars hein, pendant les vacances. Hein, j'ai bien l'intention de partir en vacances. Et puis voilà, donc la plupart du temps je serai pas là en vacances, du coup j'aurai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Donc d'abord je vais faire cette vidéo, enfin d'abord je vais faire les montages. Là déjà là, je suis en train de la tourner, d'après je vais faire les montages, je vais la mettre en ligne. Et si j'ai encore le temps, je ferai une autre petite vidéo non commentée comme ça, vite fait, parce que j'arrive pas le temps de faire une. Faire une autre vidéo longue à faire, donc je ferai encore une autre petite vidéo que je mettrai en ligne en privé, puis que je mettrai en public pendant que je serai parti en vacances, quoi. Bon, je vais peut-être suivre, oui, moi bien parler France, moi avoir dit suivre, moi devoir suivre, non, je dois suivre l'objectif. Donc là, il se trouve à 63 mètres. Oh, yeah, ah oui, cet endroit là. C'est vers la fin de la mission, ça, je crois que c'est pas très loin de la fin. Donc en fait, j'ai déjà fait la mission avant de faire la vidéo. Hein. Maintenant, j'aurai toujours ça parce que... Histoire de m'habituer un petit peu au jeu pour pas crever comme une merde. C'est vrai que c'est assez saoulant quand on crève dans une vidéo, donc c'est mieux quand même de s'entraîner avant. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je respire un peu, là. Hein. Par contre, j'ai pas de tyralite. Enfin, une autre trace de mitraillette. Hein. Ce serait bien quand même que je l'applique à des gens. Ah zut, une bombe. Heureusement quand même que dans ce jeu, et ben quand on nous lâche, enfin quand on nous lance une bombe, et ben il y a un icône qui nous montre où est la bombe pour éviter de se faire exploser la tronche. Donc sinon je pense que je me ferais tuer à chaque fois hein, par les bombes. Donc c'est sûr que sinon on peut pas trop deviner où c'est. Bon bref, peut-être arrêter de parler, sinon je pense que je vais crever. T'as quoi, toi? Je vais te péter à la gueule! Ah, c'est bon, il est mort, parce que je croyais qu'il était toujours vivant. Ouais, je me demandais où il était, en fait, il était juste au-dessus de ma tête. Normalement, j'aurais dû m'en souvenir, car j'ai fait la mission juste avant, mais bon. Je n'apprends pas par cœur non plus toutes les missions, hein, mais bon, j'aurais dû quand même m'en souvenir de ça. De ce coup-là, c'était quand même assez dangereux. Bon, j'attends que mon écran devienne moins rouge. Ah zut, ils peuvent m'avoir par en dessous là. C'est bon, mon écran est moins rouge. Je peux y aller à la kamikaze. Ninja! Ninja! Là par contre, je vais peut-être prendre mon flingue là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Que en fait, j'ai presque plus de munitions. Ah, j'ai une autre arme là. Un petit flingue. Bon, pas génial, mais. C'est pas génial! Sauf quand on n'a plus de munitions sur sa mitraillette. En plus, ça, c'est pas un flingue simple, genre le P99. Hein. C'est un peu comme un flingue mitraillette, on dirait. Ça, c'est assez stylé. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est KV, un truc bizarre, là. Oh, ça a souvent des noms chelous, les armes. Hein. Bon, je peux passer, là. Hein? Bon allez, on va dire que je vais passer. Parce que j'ai pas non plus resté 107 ans ici, quoi. Hein. C'est bon, là, je vérifiais juste si Game Capture et mon micro enregistrent bien la vidéo. Parce que, imaginez, genre, je fais la vidéo dans le vide, là. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Parce que c'est pas non plus une vidéo test. Hein. Alors, celui-là...
Ah ouais, je me souviens également pendant que je testais la mission avant, j'étais à deux doigts de crever là dans des espèces de cônes en béton là. Enfin de cônes, je sais plus si ça s'appelle des cônes, je sais pas, la flemme de réfléchir. La grosse flemme de réfléchir. Alors que je suis à deux doigts de crever. Attendez. Ah! Voilà, Tyralite 3. Mais c'est bien Tyralite, je crois que ça s'appelle. Oula, c'est un peu le speech là. Enfin, le zbeul. Mais je crois bien qu'on dit le zbeul. Ninja! Ce qui est chiant, c'est quand quelqu'un court, on peut pas l'avoir. J'y vais, couvrez-moi! Nya nya nya! Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les ordinateurs, ils disent tout. Enfin, les ordinateurs. Les ordinateurs, c'est ceux qui sont contrôlés par la console. Hein. Hein. Et. Enfin, ce sont les personnes qu'on est en train de tuer depuis tout à l'heure, quoi, depuis le début. Enfin, pour ceux qui savent pas. Hein. Ils disent. Ils disent souvent la même chose. Puis d'ailleurs, dans la mission en Sibérie, là où il neige, on est censé être contre des Russes, ou ouais, contre, contre des Russes. Enfin, contre des Sibériens. Il y a également des Russes et tout dedans, puis. Il parle en français. Un petit manque de réalisme. Là, il va avoir des ennemis. Là, c'est vraiment bientôt la fin, là. Parce que j'ai déjà fait la mission tout à l'heure, comme je viens de le dire. Ah là là. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas le Fousse Roda, comme dans Skyrim. Hein. Genre comme ça, je serais... Fousse Roda ! Si tous les autres, ils sont paralysés. Puis, ça rappelle qu'il y a tous les fins. Mais bon, du Fousse Roda dans un FPS, j'avoue que ce sera un petit peu chelou, hein. C'est l'espèce de cri, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est l'espèce de cri dans Skyrim qui permet de buter tout le monde. C'est un petit peu hors sujet, mais bon. Parce que je suis tellement habitué à jouer à Skyrim que j'ai failli appuyer sur le bouton R qui est censé être le Fousse Roda dans Skyrim. Mais non, non, on n'est pas dans Skyrim, hein. On n'est même pas sur la PS3. On est sur la Wii. Hein. Bref. Là, je crois qu'il va également y en avoir à l'extérieur. En avant, c'est parti mon kiki. Tu vas crever, fils de maman. Fils de daronne, va. Ta mère la daronne. Ce qui est trop débile, c'est quand les mecs ils tirent dans les murs. Bon, évidemment ce GoldenEye, hein, il existait également sur la N64. Hein. Il y a eu de légères améliorations de la N64 à celui de maintenant, hein, sur la Wii. Enfin, pas que sur la Wii, hein. Ce GoldenEye est également sorti sur la Xbox et sur la PS3. Hein. Hein. Par contre, je sais pas de combien de temps il date, hein. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, faudrait peut-être que je me renseigne à propos de ça. Juste comme ça, pour le fun, hein. Je m'ennuie. Bon, là, il me semble que c'est le dernier wagon. Là, on fait LR, 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 et là, c'est fini, normalement. Jetez votre arme, monsieur Bon. On dirait que votre petite aventure s'arrête ici. Que comptez-vous faire avec le satellite GoldenEye? Je crains que cela ne vous regarde pas. Vous auriez dû accepter ma vodka contrefaite. Je crains fort que cette migraine-là soit beaucoup plus douloureuse. Donnez-moi le boîtier. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ne lui donnez pas. Vous savez que c'est un faux, mais pas elle. De toute façon, elle vous tuera. Bien tenté. Mais cette ruse ne prend qu'une fois. Donnez-moi le boîtier. Je croyais que je devais le donner. Et elle le but direct. La vraie bâtarde quand même, hein. Eh bien non. Savourez votre mort, monsieur Bond. Ok, merci. Et là, comme Bond tire plus vite que son ombre, on va réussir à buter 3 mecs en mode ralenti, hein, car Dan Bond tire à la vitesse de la lumière. Et comme ça, on arrive à les buter facile, hein, évidemment. Hein. C'est Lucky Luke en mode FPS. Lucky Luke. En fait, Dan Bond, je pense que c'est une réincarnation de Lucky Luke, vous voyez. C'est un truc comme ça, je pense. Hein. Il tire à la vitesse de la lumière, il tire plus vite que son ombre. Lola. Bon, là par contre je vais devoir me concentrer, sinon je vais crever intoxiqué avec Natalia. Voilà. J'avoue quand même que la première fois de ma vie que j'avais fait cette mission là, j'étais mort comme une merde, parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. Alors pourtant c'est ultra simple, je veux dire, c'est juste d'ouvrir la trappe, quoi. Mais moi j'avais pas compris, moi j'étais en bug en fait.
bien? Oui, ça va bien, ça va. Je crois. Roman, elle a appris quelque chose? Attendez. Il a passé un appel. Je crois qu'il a parlé d'un rendez-vous ce soir au Statue Park. J'ai un contact qui pourra s'occuper de vous en ville. Non, je viens avec vous au Statue Park. Hors de question. Savez-vous comment désactiver une arme GoldenEye? On parlera de ça en chemin. Et c'est fini, hein. Bon, écoutez, bah j'espère que cette petite mission vous aura plu. J'ai pris 15 minutes et 52 à faire la mission, hein. C'est pas la durée de la vidéo, hein. C'est bel et bien la durée de la mission, hein. Hein, donc, bah voilà, hein. J'espère que vous aurez bien aimé, hein. Voilà, tout blablabla. Si vous likez, je vous donne du chocolat, hein. Non, je déconne. Hein. Donc n'oubliez pas de liker si vous avez bien aimé cette vidéo, blablabla, bon, tout le speech habituel, hein. Et donc écoutez, on va s'arrêter là, hein, je vais pas blablater pendant tout le long, hein. Et donc, je fais sauvegarder et quitter. Et donc, au revoir et à la prochaine. Attendez, d'abord je sauvegarde et je quitte. Attendez. D'abord je sauvegarde et je quitte, voilà. Chargement en cours. Et donc on va devoir s'arrêter là, hein, parce que c'est sûr que la mission de tout à l'heure, enfin la mission de après, cette mission là elle est un petit peu longue, donc c'est sûr que je vais pas la faire tout de suite, hein. Donc, et donc au revoir et à la prochaine vidéo.